Bonjour. Bonjour. Ouais, on est avec Carole. Elle est arrivée, les amis. Puis je vous montre la vue par la fenêtre parce qu'aujourd'hui c'est très beau. Regardez. Enfin, aujourd'hui c'est très beau. Hier aussi. Sauf qu'hier on voyait rien. Alors voilà la vue de la fenêtre. Et franchement, ça fait plaisir. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment. Je suis jamais allé à la montagne pour faire du ski. Bon, sur ce, on va pas s'extasier devant le paysage pendant 3 heures. On va aller s'extasier tout de suite devant le buffet du petit déjeuner. Alors non pas qu'on ait faim, mais bon. Je pense que ça va être quelque chose de très beau. Du coup, on va aller voir ça. On va manger et du coup, on va courir une Yeti Race avec un obstacle supplémentaire qui est la lourdeur, je pense, de notre ventre. Direction la bouffe. Ça va être la grande surprise. Mais regardez qui voilà. Yves, en train déjà de manger sainement. Qu'est-ce que tu fais, Yves? N'importe quoi. C'est le dessert. Ah, t'étais au ah oui, bacon il y a 2 secondes. Par des œufs, bacon, des crêpes. Ah là, là c'est Yves, là. Là, d'accord. On prend le dessert. Ok. On s'est fait un petit yaourt aux fruits. Très sympa, on commence par ça. Là, il y a tous les pains du monde ou presque. Vraiment de quoi manger sainement également pour les sportifs. Bon, nous, c'est pas vraiment ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on va dire qu'on s'éclate un petit peu. Mais si on veut manger très sainement, c'est aussi possible dans cet endroit. Alors, il y a vraiment de tout. Il y a même des chocs à pic et des frosties. Beaucoup de fruits. Bonjour. Et bon appétit. Merci beaucoup. Crudité, charcuterie, fromage, des confitures, oh là là, des grille-pains pour toaster à 8 à la fois, du pain complet, etc. etc. et des yaourts. Sur les tables. Allez, on retrouve les copains tout de suite pour le petit déjeuner avec qui on va faire la Yeti Race. Et on a encore Julien, c'est bien d'être bien. Le mec, il est en short. Attends, j'ai prévu d'être en slip tout à l'heure. C'est pas vrai. Bah écoute, ouais, je commence toi, gentiment. T'es pas quoi. Bien gourmand. Nous, on a déjà défoncé 3 fois le buffet là. Attends, qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Déjà hier, on a mangé 4 kilos. T'es aussi au régime Adélaïde là, tout végétarien. Moi, j'en ai une qui mange plus que l'autre. Hein. C'est clair. Oh. Moi, j'en ai une qui a pas eu le droit de bouffer hier soir, donc c'est pas grave, je mange. Oh là là, la vue. La vue du Club Med. Très très sympa là. Il vient de s'en rendre compte. Ah, franchement. Bah, j'étais concentré sur la bouffe. Bah, c'est clair, je voyais ça et puis je voyais pas ça, moi. Alors à choisir maintenant. On a fait un carnage encore une fois, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir, un gros carnage. Oh, il est déjà équipé, Sébastien. Ça y est, regarde-moi ça, regarde. Ça y est, il est parti là. C'est bon, il est chaud. Ça y est, il va bouffer le Yeti. Ça marche, mais ça marche pas au petit déjeuner. Yves, habillé en tennisman. Oh, c'est Romain Ibsen. Alors, comment ça va? Je sais pas. Ça va? Et où Adelaide? Bon, allez, je fais une petite photo. Chaud ou pas? Chaud patate? Ouais, chaud. Grave? Mmh. Ok. Un peu nerveux. Ouais, comme ça, on pourra se mettre à température. Très bien. Il est où ton coéquipier? Je sais pas. Il a perdu déjà? J'ai peur. Il est allé faire caca. C'est lui qui me fait peur. C'est lui qui te fait peur. Il est parti prendre un smecta. C'est là. Allez, avancez. Ouais, allez! Il est là, ton coéquipier. Mais laisse-le, t'es pas sa mère. Mais qu'est-ce que c'est, grand? C'est vrai, j'ai cru que t'allais au pôle Nord. Regarde-moi ce bonnet. C'est pas un bonnet en Gore-Tex, ça. C'est un bon frère, j'ai pas de bonnet. Allez, le petit moment de vérité, on va savoir si on se les gèle ou pas. Non, il fait bon. Super chaud, les gens. Ça va, regarde, t'as du poil. Hey, t'as vu, il y a des luges. Il y a de la luge. Vas-y, on se refait un coup de luge ou quoi? Ah, vas-y, ça part tout de suite. Coup de luge en plein jour, les amis. Contrairement à hier soir, on voyait rien. Même spot, mais le lendemain matin. Attends, attends. Attends, je me vois de pilote. Vas-y. Attends. T'es prêt? 3, 2, 1. Vas-y, avance. Ouh. Ah, j'en refais une avec Carole, moi. Allez. On va se faire une partie de luge avec Carole. Allez. Ouh. Oh putain. Putain, Carole, elle arrive mieux que moi. Hein. Putain, téléphone dans la neige. Téléphone. Ça va ton dos, Carole? Ah ouais, pourquoi? Moi, je me suis éclaté comme d'habitude. Voilà, faire les cons juste avant les Yeti. Mais bon, c'est ça qui est bon, n'est-ce pas? Ah Thierry, c'est ça qui est bon, non? Ouais, absolument. Faut pas partir en pleine forme, sinon c'est pas drôle. C'est ça. On est d'accord. On a le même sens du challenge. Tu vas la regretter, tes gants. Là, déjà, je pense déjà à regretter ma veste. D'où le fait que... Yeah, ouais. J'ai par terre. Là il va nous dire faites pas les cons, la neige ça glisse. Non mais on entend pas derrière. Ça fait 2 fois qu'on écoute pas le briefing quand même. Pour écouter un peu. Du temps qui dégonfle. Ah, voilà, donc faites bien gaffe au niveau de la lecture de la neige. Ah bien, être prudent au niveau des chevilles et des genoux. N'est-ce pas? Ah là là, c'est beau.
c'est très très beau. Ça va, mon petit coéquipier? Ça va. Oh, c'est mignon, selfie à longueur de journée, c'est bien. Oh, il est chaud patate là, c'est BDB, il est au... Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je peux pas te mettre sur ma chaîne. Ah, vas-y, fais genre. De nous tous. Ok. Demandez à quelqu'un. Mais là, il faut du soleil parce que là, sinon, c'est dommage, tu vois. Bravo, merci. Référence musicale de qualité, comme toujours. Purée mousseline, je suis sûr de ce qu'il y a dedans. Mange de la neige, quoi. Bon, on est comme des fous, nous, parce que franchement, on est dans un décor de dingue. On n'est pas habitué. On est comme des fous. Très, très content d'être là. C'est mon niveau en ski demain. Je vais marcher, voilà, avec des skis. C'est faire du roller, c'est skier. Ah, bah non. Je n'ai jamais mis de ski de ma vie. Fais voir ton sac à dos, Julien. Et Julien de... C'est bien d'être bien. Ouais. Et Yves de... C'est bien d'être bien. Pas le même tempérament dans le... Merci. Allez, c'est l'heure du briefing Yeti Race. Bien sûr, qui nous accueille comme il se doit. Bonjour, je suis du métier aussi. Ouais. Tu cries pas le Yeti, on crie plus fort que toi. Ah bah, tu crois quoi? Please, Julien, we are in English here. Please, do yes, yes. En gros, il dit bienvenue à la Yeti Race. Vous êtes tous une belle bande de cons. On est dans un allège que c'est, je l'ai le cul pendant 20 km. Mais ça va bien se passer. Et surtout, vous avez les masseuses à l'arrivée. Et apparemment, un ravitaillement en plein milieu avec bière à volonté. Avant d'être championne olympique, elle a été championne du monde, c'était en 1991. Marie-Josée Pérec. Marie-Josée. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Merci aux championnes et aux champions. Il y en a plein d'autres hein, dans la... C'est pour toi, pour les consignes de sécurité, sinon on va être en retard. Merci d'être là. Du coup, on s'arrête de filmer parce que là, c'est les consignes de sécurité. Donc, en gros, il y a de la neige et ça va glisser. Vous allez partir pour un 20 km. Tu te rappelles de nous, Croix du Figaro? Oui, tu te rappelles? Ça fait plaisir. On est arrivé avec une vingtaine de personnes qui sont complètement barges. Ils nous traitent de barges. Oui, mais dans le sens positif. Be patient. You'll be leaving on time. Il est où, Buge? Ils sont chers, quoi. Et alors? Et alors? Moi, j'ai de la pilosité. Contrairement à toi. Ouais, je suppose, hein, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas. Ouais, Yeti! Yeti! Ouais! Ouais, la plagne! Oh là là, quelle belle course! Ah, ça m'a fait très plaisir de courir dans la neige, de me mouiller les pieds, de courir dans la poudreuse où je ne voyais pas où je mettais les pieds, de faire des obstacles très variés, divers et variés. Vraiment, c'était très agréable. Une bonne ambiance, on cause avec tout le monde, on s'éclate. Bonne course d'obstacles, vraiment très bonne course d'obstacles. Polo, il va activer le mode GTA de la voiture, il a dit. Polo, le meilleur chauffeur. Tiens, regarde, monsieur, c'est trop fort. Comment il fait ça, Polo? Vas-y, un piéton là, roule dessus. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture du futur? Ça, ça te prend bien le sol et tout, c'est ouf. C'est clair. Bon app, mangez bien. Merci Polo. Ça y est, on est potes avec Polo, nous. Ça y est. Allez, salut, merci. Et voilà l'heure d'aller manger, parce qu'on arrive plutôt tard. En fait, il est 13h58, et pour éviter qu'on n'ait pas à manger, Polo nous a ramené en voiture, ce qui est vraiment très sympa. Il y a vraiment plein de petites attentions, là. On est vraiment refait. Hein. Franchement, c'est trop pour moi, quoi, je crois. Je crois que c'est trop pour moi. Hello les copains, ça a été? En fait, on s'est perdu, donc on a 23 km. Et vous? Bah ouais, très cool. On a fait les touristes, c'était bien sympa. Franchement, on s'est éclaté, quoi. Ça va, Sébastien? Nickel. Bon, allez, on mange un petit peu. Petite assiette de petite pasta party. Toi, t'es un mec de la pasta party, j'ai remarqué. Toi, t'es un pasta man. Hello, ça va bien? Hey, les bisous! Vas-y. Allez, les bisous. Ça va, c'est été? Ça va bien? Merci, bravo à vous aussi. De la bonne bouffe très saine, comme vous pouvez voir. Ah bah oui. N'est-ce pas? On se refuse rien, n'est-ce pas? Non, surtout que moi, j'ai beaucoup couru ce matin. En haut, en bas, applaudissements. Encouragement comme ça. Je comprends. Voilà. C'est très éprouvant. Non. Allez, on va manger, les amis. Moi, pour moi, ça va être. On va essayer de manger sainement. Petit calamar avec plancha de légumes et un petit poisson avec pasta party. Donc, ça fait plaisir. On mange, on se retrouve plus tard. Pas des barres de protéines, c'est pour toi. Ça marque pas, je t'achète, tu lis beaucoup. La dernière fois que j'ai lu, c'était une bulle. J'avais fait un crack de passage du Monténard. Ça peut être joli, ça. Vous êtes déjà allé au Monténard? Non, mais on aimerait bien. Il y a encore des cadeaux, quoi, vraiment. Voilà, très bien. Ah, il est super, là. Ouais, on a Yves qui a encore faim après la Yeti Race et qui va nous tenter 10 burpees dans le réfectoire du Club Med. Allez, c'est parti, il a encore la dalle. Allez, et un. Bon, alors que t'es là, ouais, ça peut être pur. Pour l'instant, je... Oh là là, Yves, mais quel homme, le gars. Et ben bravo, challenge insolite relevé par Yves.
Et voilà, retour à la maison après avoir bien mangé, un bon repas, franchement c'était super. On s'est bien régalé avec de la glace, avec des toppings illimités dans tous les sens, sur des parfums vraiment sympas. La chantilly trop bien, trop compacte. Ensuite, Carole, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on aille chercher les skis, je crois, pour demain matin. Parce que demain matin, on va faire du ski avec l'équipe, toute l'équipe Epson et les personnes invitées. Donc vraiment, on est accueillis, mais on est super bien accueillis. Hein, vraiment, c'est un grand plaisir. Bon, les amis, c'était quartier libre depuis tout à l'heure. On a pris un petit peu de temps, on a eu le briefing pour le ski de demain. On a eu un petit pot au baron, on a discuté, c'était très sympa. Et là, donc, on se retrouve pour manger. Du coup, voilà, on a proposé d'organiser speed dating à la demande de Florian pour faire de la com sur Epson. Et du coup, ça part en couille complètement, quoi. On va aller au bar, évidemment, pour profiter de la soirée. Non, maintenant, comme Epson, ils ont dit qu'on pouvait vider leur compte avec des whisky chers. dans le sens que tu veux. Et voilà les amis, c'est la fin de la journée du samedi 12 décembre. On se retrouve très bientôt pour le vlog du dimanche 13 décembre, le lendemain où on a fait du ski à la Plagne. D'ici là, je vous dis abonnez-vous si ça vous a plu les amis, et je vous souhaite surtout un très joyeux Noël. À bientôt.